Messieurs, dames, l'heure est grave parce que vous savez, on dénonce ici sur la chaîne le DEI forcé dans les jeux vidéo depuis maintenant un certain temps. Également, j'ai exposé Sweet Babying. Bref, j'ai fait un tas de choses, messieurs, dames. Allez regarder les autres vidéos. Mais messieurs, dames, je dis que l'heure est grave parce que là, on est rendu à un autre niveau du DEI dans les jeux vidéo. Et sincèrement, ça, cette histoire-là, ben, c'est. Je suis sans mots. Je suis extrêmement choqué. Parce que s'il y a bien une chose, je pense qu'on peut tous s'entendre là-dessus, c'est qu'on ne veut pas de DEI forcé chez les enfants. Surtout dans les jeux vidéo. On est d'accord. Mais moi, je n'ai pas d'enfant. Hein? Je veux dire, j'ai un enfant poilu. OK, c'est un chien. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est comme on ne veut pas voir de DEI forcé dans les jeux vidéo pour les enfants. Eh bien, messieurs, dames, messieurs, dames, quand vous pensiez que ça n'allait pas arriver, eh bien, ça arrive. Déjà, les jeux A de nos jours, il y en a plein. Il y en a à chaque jeu. Chaque sortie, il y a quelqu'un parmi les développeurs un petit peu fou dans la tête. Il dit Mais Moi, je vais mettre mes chances personnelles dans le jeu. Tu comprends? À chaque fois. Mais là, ça va un petit peu trop loin à mon goût. Et je vais vous montrer. Qu'est-ce qui s'est passé et c'est qui qui a organisé tout ça? Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, messieurs, dames, eh bien, il y a une euh, drag queen, un petit monsieur qui aime ça bien en femme. On n'a rien contre ça. Tu, tu comprendras pourquoi. <laughs> Mais, plus sérieusement, eh bien, cette personne-là a décidé de produire un jeu. Oui, oui, un, un jeu. Et écoute, elle a le budget pour faire ça. Donc, euh, props à toi, ma fille. Mon homme, je ne sais pas comment t'appeler. Mais il a décidé de sortir un jeu vidéo orienté vers les enfants sur mobile, donc iOS, Android et sur PC également. Je vais vous montrer c'est qui cette personne-là. Je vais vous montrer un aperçu de son jeu. Et je vais vous dire également pourquoi c'est... C'est fucky. C'est pas... Fais pas de jeu pour enfants avec le DEI, s'il te plaît. C'est pas... On veut pas ça. OK? Stop, là. Vous allez trop loin, là. OK? C'est non, ça. Ça suffit. Donc, messieurs, dames, j'espère que vous avez les yeux ouverts. Euh, ou si vous ne les avez pas ouverts, ouvrez vos yeux et regardez la caméra parce que ce que vous allez voir, c'est assez... Euh, voilà. Tu vois, la vidéo date quand même d'il y a un certain temps. Ça date de huit ans, mais je vais vous expliquer après pourquoi est-ce que c'est grave. Regardez bien. Oh là 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 là. C'est beau, ça. Hein. Et donc, cette personne-là se nomme comment? Amanda Sparks, c'est une ou un Brésilien. Et donc, cette personne-là, en ce moment, je ne vais... je peux pas écouter ta voix, bro, chute, là. Donc, tu vois, a commencé à développer son jeu autour de 2006, qui je ne sais pas qu'est-ce qu'il qu qu a voulu faire, mais cette personne-là était un développeur, a toujours voulu faire des petits jeux pour tout le monde, machin, etc. Et là, ben, comme vous avez pu voir, ben, c est, c est, c est, cette belle personne-là, plus maquillée qu'un clown, eh bien, cette personne-là a décidé de se lancer à nouveau dans dans les jeux vidéo et de créer son petit jeu qui s'appelle The Shade Forest. Ici, dans cette vidéo que vous voyez présentement, eh bien, la personne parle justement qu qu'est-ce qu que représente son jeu, qu'est-ce que tu peux faire, etc. Mais c'est vraiment un jeu de style drag queen. Donc, tu as différents cosplays à travers différents personnages. Tu as des trucs un peu. Euh, voilà. Des choses que moi, je voudrais pas nécessairement que mon enfant joue si j'en avais un, tu vois. Et les vilains, à chaque fois, ben, sont une représentation un peu de l'homme. Euh, par exemple, ici, on a l'homme viril. Euh, une autre scène également où est-ce que tu as un, un gros port. Donc, euh, voilà. Encore une représentation de l'homme. Ici, moi, je trouve qu'on a une représentation ici de J.K. Rowling, tu vois, avec son petit chapeau, parce que J.K., elle a dit haut et fort. Qu'il y a seulement deux sexes, l'homme et la femme, et donc c'est attiré tout le shitstorm que tout le monde connaît aujourd'hui. Tu vois, il y a différents personnages avec qui tu peux te battre, mais regarde le truc un peu ce qui est, ce qui est bizarre, tu vois. C'est que plus loin dans la séquence, tu peux voir un genre de slap mode. Donc c'est vraiment un genre de finish him à la Mortal Kombat. Mais dans ce cas-ci où est-ce que tu fais juste foutre des grosses tapes à la gueule, tu vois? Donc déjà là, moi je trouve pas ça correct parce que. Moi, j'ai mon ami YouTubeur, il s'appelle Slap Gaming, OK? Et donc, il faudrait lui demander des royalties pour utiliser Slap. Donc, euh, ça, c'est la, la chose que j'avais à dire. Mais outre ça, regarde qu'est-ce qu'ils disent. Regarde, il est bien. « Oh, girl, boss, bitch, slapped. » Et donc, maintenant, vous vous dites, « Oui, mais en quoi c'est différent ou en quoi c'est grave par rapport à euh, des jeunes enfants? » Eh bien, messieurs, dames, la simple et bonne raison... Au niveau des enfants, c'est que dans ce genre de truc-là, déjà, la majorité des jeux aujourd'hui, par exemple, tu veux montrer un peu de la peau au niveau d'un personnage, eh bien, il va falloir que tu mettes une catégorie teen ou, dans certains cas, tu vas également avoir la catégorie mature. Mais dans ce cas-ci, comme c'est un jeu mobile, eh bien, ça ne fonctionne pas vraiment comme les jeux vidéo traditionnels. Donc, n'importe qui peut développer un jeu sur mobile et ensuite de ça, juste payer une cotisation pour mettre ton jeu sur les plateformes. Tu vois ce que je veux dire? Donc ici, on peut voir justement à l'écran comme quoi qu'ils ont bel et bien targeté, donc visé complètement ce marché-là. Parce que comme on l'a dit, il y a beaucoup de gens de nos jours qui jouent sur jeux mobiles et parmi ces gens-là, beaucoup d'enfants. Donc, il n'y a pas de réglementation à ce niveau-là et ils peuvent carrément faire ce qu'ils ont envie avec cette, euh, ce beau petit clone-là que vous voyez sur votre écran. Mais ça va plus loin que ça, messieurs, dames. Je vous explique pourquoi. Eh bien, pour ceux qui auront suivi toutes mes enquêtes sur le DEI et ce genre de choses-là, eh bien, vous êtes probablement familiers avec ce qu'on appelle un Game Jam. Un Game Jam, c'est quoi? C'est un endroit où est-ce que toi, en tant qu'organisation, on va prendre l'exemple du wokisme, par exemple, toi, tu organises un Game Jam pour inviter des développeurs et ensuite de ça, investir en leurs jeux ou leurs idées et ce genre de conneries-là. Eh bien, la personne que je vous ai montrée, Amanda Sparks, le clown. <laughs> Donc, cette personne-là a participé durant un événement qui s'appelle Games for Diversity. C'est comme une grosse organisation et c'est là qu'elle aura reçu cette personne-là du financement pour finalement produire son jeu, comme je vous ai dit, de Shade Forest. Mais sans ça... Sans ces organisateurs-là, cette personne-là n'aurait jamais reçu ce financement et n'aurait jamais produit son jeu. Et je vais vous montrer un peu le site web, en quoi il consiste et toutes ces choses-là. Donc ici, vous voyez le site web, donc Games for Diversity, et ils sont très très fiers. Tu vois, tu as plusieurs onglets en haut, mais tu en as un qui te dit à quel point ils sont fiers. Pride, mon chum, pour justement montrer leurs couleurs et machin. Et ces gens-là viennent de l'Autriche, donc à Vienne. Et moi, je trouve ça quand même surprenant, tu vois, pour un pays de la sorte. Je veux dire, je ne m'attendais pas à ça, pour être honnête avec vous. Pour moi, je ne suis pas très fort en géographie, mais pour moi, l'Autriche se situe quand même dans une région où est-ce que normalement tu en vois peu de genre de trucs comme ça, au niveau de la Pride, au niveau du DEI, toutes sortes de trucs comme ça. Et donc là, on va aller sur l'onglet Game Jams. Où est-ce que c'est ce que je vous parlais, où il donne justement du financement à plusieurs personnes. Et c'est ici, messieurs, dames, que Amanda Sparks, qui réside d'ailleurs au Brésil, aura reçu son fameux financement. Et je pense même qu'on peut l'avoir ici même. Ça, ça ressemble à un habillement de clown, là. Donc, moi, je te le dis, je sais repérer les clowns. Tu vois ce que je veux dire? Je suis, je suis très fort là-dessus. Donc, voilà, messieurs, dames, j'ai trouvé parce que, regardez, sur leur site web directement, on ne trouve absolument rien par rapport à Amanda Sparks ou, même, ou ni même son jeu. Mais regardez, le petit clown a bel et bien participé là-dedans. Je vous montre ça, regardez ça. On va l'avoir sous peu dans un extrait, mais c'est pour vous dire que justement, t'as des trucs comme ça qui s'appellent... Regarde, regarde Le clown, tu le vois en arrière. Tu vois la grosse madame en train de sourire, elle est heureuse, c'est correct ça. Mais tu vois le clown On voit le clown, OK C'est comme le film « Hit. OK, toi tu arrives à le voir, les autres le voient pas, mais tu le vois dans les parages, tu comprends Si vous avez jamais vu It, excellent film d'horreur, allez regarder ça. Mais tu vois le clone, il était là. Regarde, le clone. Ah, le clone. Et voilà. Son jeu en chair et en os, messieurs dames, et une chose à noter, c'est que c'est une vieille vidéo qui date de cinq ans. Donc c'est une vieille information qui refait surface aujourd'hui et donc il faut être également transparent à ce niveau-là. C'est juste que son jeu viennent de sortir, il y a eu une enquête également qui a été faite auprès de d'autres YouTubers que je mettrai leur nom dans la description. Donc l'enquête ne vient pas de moi, OK Mais on va le dire tout de suite mais je tenais du côté de la France de vous le laisser savoir parce que je trouvais ça quand même assez important pour vos jeunes enfants et en parlant d'enfants regardez où j'ai posé justement on en voit un enfant parmi cette belle brochette là de diversité et de machin et tout. Et donc moi je vous pose la question pour ceux qui sont des parents messieurs dames dans la vie de tous les jours. Sincèrement, est-ce que vous voudriez à l'école, que des drag queens comme ça enseignent à vos enfants? Est-ce que vous voudriez qu'ils lisent des livres, ce genre de conneries-là? Tu vois, tu vois où est-ce que je veux en venir? Est-ce que c'est -ce est mal d'être une drag queen? Personnellement, non. Moi, je trouve pas ça mal. Je vais t'expliquer pourquoi. Si un homme veut se déguiser en femme, je veux dire, vous êtes la France. Oui, Il y en a eu plein, des drag queens, tu comprends? Il y en a toujours eu. Même à Montréal, il y en a toujours eu. C'est pas ça qui est mal. Ce n'est pas de vouloir te déguiser en femme ou te sentir comme une femme qui est mal. C'est de maintenant imposer tes idéologies à travers des jeux vidéo parce qu'on sait, on a tous commencé comme ça, vous et moi, messieurs, dames, avec les jeux vidéo quand on était jeunes. On a tous commencé avec Pokémon, sur la vieille Game Boy OG, ce genre de truc-là, tu vois. On a tous commencé par là et notre amour des jeux vidéo s'est poursuivi à notre âge adulte. Vous comprenez? Mais là, le problème aujourd'hui c'est que les gens qui ont certaines idéologies essaient de faire des jeux pour atteindre les enfants. On n'avait pas ça quand on était jeune. nous. On n'avait pas ce genre de problématique-là, tu comprends? Ensuite de ça, on va atteindre un certain âge, genre 8 ans, puis on va commencer à se questionner sur notre sexualité. On n'a jamais eu ces discussions-là quand on était jeune Nous, on était... On, on se fouillait dans le nez, on mangeait la crotte de nez, et puis c'était cool, tu comprends? On pétait, on riait, et puis voilà. Mais aujourd'hui, d'introduire ça, à un, un âge où tu es fragile, tu es innocent, pour moi, ça n'a aucun bon sens. Tu ne devrais pas faire ça. Ça devrait être interdit par la loi parce qu'à mes yeux, à moi, il y a un certain âge où tu peux commencer à vraiment discuter de la sexualité avec ton enfant. Et surtout au niveau de la diversité, que tu sois trans, que tu sois LGBTQ, que tu sois drag queen, il faut pas l'introduire comme ça à un jeune enfant parce qu'il est en période de questionnement dans son cerveau et il est en constant développement. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc de voir ça aujourd'hui. On pousse ça dans le jeu vidéo plus que jamais. Pour moi, c'est une grande problématique et je pense que tous parents devraient faire extrêmement gaffe et vous devriez tous surveiller ce que vos enfants jouent, que ce soit au niveau des microtransactions, que ce soit tout aujourd'hui, parce que les grosses compagnies ne veulent pas vous aider. Vous n'avez aucune aide. Vous êtes laissé à vous-même en tant que parent et ça, c'est une des plus grosses problématiques dans l'industrie des jeux vidéo. Il faut protéger nos enfants. Il faut aborder la conversation de manière saine et ce n'est pas en les... Balançant ça dans des jeux vidéo, que ça va aller mieux. Et si on peut l'appliquer pour n'importe quoi, tu peux l'appliquer pour le, le porno, tu peux l'appliquer pour la violence, toutes sortes de choses. Malheureusement, les parents sont laissés à eux-mêmes. Et avec des gens comme ça qui ont des idéologies, des narratives à vouloir inclure et forcer à travers leurs jeux vidéo, eh bien, moi, c'est pour ça que je mène ce combat-là depuis le début, parce que je suis contre ça. Si tu as une opinion personnelle. Sur un sujet en particulier, que ce soit politique, que ce soit au niveau du sexe LGBTQ, garde-le pour toi. Ou si tu veux m'en parler, parle juste avec moi, mais ne l'impose pas au monde entier, parce que ça, c'est non, ça ne se fait pas.